qui bricole dans cette position ? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monsteras, les syngoniums, calathea, chefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Hey, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale syngonium. J'en ai déjà fait une sur quand j'ai reçu des syngoniums qui m'ont gentiment été échangés avec Digital in Bolton. Si tu passes par là, salut. Et donc du coup, je fais un update de la collection puisqu'en fait, elle a un petit peu évolué récemment. Et puis même depuis que j'en ai reçu quand même pas mal. Je suis un peu dépassé par les syngoniums, je t'avoue que là, au moins ça s'était calmé. Et puis c'est revenu à moi. Actuellement, j'en ai combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6, 18. J'ai actuellement 18 variétés de syngonium différentes. Alors si tu es un fan de syngonium et que tu vois des erreurs, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça me fera toujours plaisir et puis ça pourra aider d'autres personnes. Et puis n'hésite pas à liker la vidéo si tu es vraiment un fan de syngonium. Et puis si tu as des boutures en trop, n'hésite pas à me demander mon adresse. Je te la donnerai avec plaisir, tu t'en doutes. On va commencer cette vidéo par mon plus gros, des plus gros syngoniums que j'ai. Le White Butterfly. La folie syngonium a commencé quand j'ai fait une bouture de 2 voire 3 feuilles de cette plante là. Il y a maintenant 4 ans je crois. Et puis elle avait perdu quelques feuilles, et puis elle ressemblait un petit peu à rien. Et puis d'un coup elle s'est mise à pousser. Mais quand elle s'est mise à pousser, j'ai plus rien contrôlé. Ah non, j'ai plus rien contrôlé du tout. Ah, j'étais pas prêt. C'est un morceau que j'ai eu, je ne sais plus où. Bon, tu t'en vas avec ta voiture là que je puisse continuer la vidéo. Je disais donc, avant que la voiture nous coupe, je ne sais même plus ce que je disais d'ailleurs. Si, c'est un morceau que j'ai eu je ne sais plus où, que j'avais donné à ma mère. C'est une plante que j'avais donnée dans une... C'est une blague. C'est une plante que j'avais donnée dans une composition à ma mère. Et puis un jour, elle a arrêté de vouloir arroser les plantes. Je ne sais pas pourquoi. Et un jour, je me suis dit, si je récupérais un morceau de plante. Alors du coup, j'ai fait une bouture. 4 ans après. Elle fait ma taille. Je ne suis pas bien grand, mais une plante qui fait 1m70, c'est quand même pas mal. Ça a été dire pour un syngonium. Du coup, j'avais fait une bouture, je crois que je l'avais mis en eau. Même pas, je crois que je l'ai mis directement dans le terreau. Je l'ai mis directement dans le terreau et en fait, comme je t'ai dit, elle avait stagné, elle avait galéré et puis d'un coup elle s'est mise à pousser. 4 ans après, ça a fait ça. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est que normalement, en général, les plantes d'intérieur en hiver, elles sont en stand-by, c'est-à-dire qu'elles font pas de feuilles ou alors elles en font très très peu. Elles sont quand même au ralenti. Elle que nenni. Elle s'était pas mise au ralenti. Bon, je sais plus où est-ce que j'en étais, ils vont saouler les gens. Alors, très très peu d'entretien. Donc bien évidemment, je l'ai tutoré, je l'arrosais de manière régulière. Et j'ai l'impression que depuis que je l'avais passé en arasse intermédiaire, c'est là où il s'est pas arrêté en fait. Peut-être que c'est moi psychologiquement qui me dis ça, alors qu'en fait la plante allait quand même pousser dans un substrat un peu moins élaboré. Dans tous les cas, elle va très bien. Je l'ai bouturée. Alors quand j'avais sorti le plante qui était à l'intérieur pour le mettre dehors, je sais pas si tu as vu ma vidéo, mais si jamais je te la mettrai ici. Tu vas voir que en fait je l'ai retuteré parce qu'en fait il commençait à partir en live et surtout je l'ai bouturé parce qu'en fait il était bien plus long que ça. Les branches elles montaient et puis en fait en haut vu que le tuteur s'arrête un moment hein, quand même parce que je vais pas avoir un tuteur jusqu'au plafond. La branche avec le poids s'était pliée donc du coup c'était dégueulasse, alors je l'ai taillé. Ce que j'ai taillé, je l'ai bouturé, je l'ai donné à des collègues. D'ailleurs j'espère que les boutures vont bien mais logiquement ça devrait aller. Et du coup, lui, il a profité pour se ramifier.
Voilà, donc il fait des feuilles bien claires, je sais pas si on va le voir là. Et après, elles vont se foncer pour devenir un peu comme ça, tu vois. Donc il va très bien, j'en ai profité pour mettre directement des morceaux que j'avais bouturés dans le terreau. Cache pistache, comme ça, pas de problème. Je m'embête pas. Et puis en plus, elles ont l'air d'avoir raciné, donc j'ai à peu près 4 ou 5 tiges de syngonium. Donc je suis content. Donc lui va très bien. Et s'ils sont tous aussi simples que lui, j'en connais un qui va pas être trop content, hein. Enfin bref, le White Butterfly, il est juste canonissime. C'est mon syngonium le plus grand. Voilà, j'ai trop content. Suivant. Donc ça, c'était le premier syngonium. Les syngoniums que j'ai achetés juste après, ça a été à cause de Instagram, parce que je voyais plein de variétés que je ne connaissais absolument pas de syngonium. J'en voyais des marrons, des roses, des formes un peu abracadabrantesques. Et je me suis dit, tiens, si je commençais à les collectionner. Ah, quelle riche idée! Donc un jour, je suis allé à Truffaut, à Colomiers, pas loin de chez moi, et je suis tombé sur des pépites qui maintenant sont basiques. Là, c'est le Maria Allusion. Donc le revers est bien vert. Les jeunes feuilles, quand elles sortent, elles sont de couleur un petit peu chocolat. Et après, elles commencent un petit peu à verdir avec le temps. Et donc, j'ai trouvé celui-là sur le Néon Robusta que je te présenterai juste après. Lui, je l'ai laissé avec lui, avec le White Butterfly. Et d'autres, je les ai laissés près de la fenêtre cet hiver, fait l'hiver dernier. Mais j'étais pas prêt, je m'en suis pas forcément trop occupé à part les arroser de temps en temps. Mais ils ont kiffé, ils ont vécu leur meilleure vie. C'est-à-dire que pendant un an, voire deux, ils sont vraiment restés assez petits. Je les ai achetés, ils faisaient cette taille-là avec le pot. Voilà ce qu'ils font maintenant. Donc il est quand même vachement ramifié. Donc j'ai mis un tuteur de pauvre en attendant, c'est juste des pics à brochette. On fait avec les moyens du bord. Mais ça va être un des premiers que je vais tuteurer sérieusement très bientôt, puisque là j'en peux plus, j'ai 30 plantes à tuteurer. Mais il a l'air de bien s'emporter. Il me fait des feuilles, et puis il me fait des feuilles. Seul petit problème que j'ai eu cet hiver, c'est qu'à cause du manque d'humidité et peut-être du manque de luminosité aussi, j'ai eu beaucoup de feuilles qui sortaient mais qui restaient enroulées sur elles-mêmes. Lui, il a été vraiment atteint. Alors c'est pas une maladie, c'est juste que la plante, elle faisait ses réserves. Elle se mettait un petit peu pas sur la défensive, mais en gros elle me faisait savoir qu'elle avait besoin de lumière et d'humidité. Et comme un aveugle que je suis, et bien du coup je ne lui en ai pas donné forcément. Donc du coup il a gardé les feuilles bien enroulées pendant tout l'hiver. Chose qui l'épuise un petit peu parce qu'au final la plante fait des feuilles pour avoir plus de lumière, pour faire de la chlorophylle, etc. Ben, lui il gardait les feuilles juste enroulées, donc il ne faisait pas forcément de chlorophylle. Et même limite les feuilles avortaient. Donc ça ne lui rendait pas service, sauf qu'en fait au bout d'un moment la plante, une fois qu'elle atteint le plafond, elle ne peut pas aller plus haut. Et vu qu'on a le volet roulant, au bout d'un moment la lumière ne passe pas non plus sur la totalité de la plante. Donc du coup c'est surtout les feuilles d'en haut qui restaient enroulées. Elle n'avait pas le choix. Bref, et donc lui aussi, même s'il était en pleine lumière, entre guillemets, il avait quand même des feuilles qui s'enroulaient. Alors peut-être que c'était simplement le manque d'humidité aussi qui fait ça. Mais c'est pas pour autant que je lui en donnais. Mais bon, pour le moins, il a pas l'air de s'en plaindre trop non plus. Donc le Maria Allusion, très simple d'entretien. Alors je dis qu'il est très simple d'entretien, mais j'ai dit ça sur des plantes précédentes, elles sont mortes. Donc à prendre avec des pincettes. Mais vraiment, lui, pas de problème particulier. J'ai pas eu d'attaque de nuisible pour le moment, j'ai pas eu de maladie cryptogamique non plus. Donc faut juste que je le tuteur plus sérieusement. Et ça devrait largement le faire. Vous allez arrêter de passer avec les voitures maintenant, sans déconner, faudrait aller au travail là. Donc le Maria Allusion, nickel migouille. Next. Ça c'est une bouture que Clémentine m'avait donnée parce qu'elle avait acheté le pied mère. Donc c'est le Syngonium Frosted Heart ou cœur givré, cœur glacé, je sais pas comment faut le dire. Qui va étonnamment bien. Alors juste il me jaunit cette feuille là parce que je pense qu'elle a eu du mal à s'adapter quand je l'ai mis de l'intérieur à l'extérieur. Il a peut-être manqué un petit peu de lumière aussi, donc je pense qu'elle ne devrait pas tarder à tomber, sécher, brunir, voilà. Mais toujours est-il qu'il a l'air d'aller bien. Alors il a deux tiges, il y en a une qui ne veut pas forcément pousser, et je pense que si je la mettais un petit peu plus à la lumière, là il irait mieux. Pareil, tuteur de pauvre, j'ai mis un tuteur mais il n'est même pas attaché, donc c'est ridicule, ça sert à rien. Mais à chaque fois qu'il me fait une feuille, il m'en prépare une autre. Je sais pas si tu veux le voir, là je vais zoomer. Il me fait des feuilles assez grosses, donc je suis content. Et je pense que si je le mettais un peu plus à la lumière et avec un tuteur de meilleure qualité, je pense qu'il y aurait des feuilles encore plus grosses. Mais pour le moment, je m'en contente. Et il a l'air de plutôt bien pousser, donc ça va. J'avais une première bouture de la part de Digitaline Bolton. D'ailleurs, Digitaline, je pense que je vais en parler au long de toute la vidéo. Donc si jamais vous avez des questions à lui poser sur les syngoniums ou sur des boutures éventuellement,
Vous pouvez la contacter, je vous mets son Instagram en bas. J'avais eu une bouture une première fois de digitaline sur celui-là et en fait je l'ai laissé pourrir. Là, du coup, Clémentine m'en a donné un morceau qui a l'air de plutôt bien aller. Ça fait peut-être un an que je l'ai, je crois. Il ne m'a pas fait plus de feuilles que ça, mais en même temps, je m'en occupe pas forcément avec beaucoup d'assiduité. Franchement, pour une plante qui n'a pas tous les besoins qu'elle devrait avoir, je trouve qu'elle se porte assez bien. Les racines ne dépassent pas encore, donc ça va. Lui, il va bien. Il faut juste le maintenir légèrement humide. Alors lui, j'essaie d'être un petit peu plus assidu et de lui donner un peu plus d'humidité dans le sol. Pas forcément ambiante, mais surtout dans le sol. Et pour le moment, ça a l'air de lui réussir. Je dis ça, il a soif actuellement. Donc, il faut juste être vigilant sur l'arrosage. Syngonium suivant, c'est un syngonium que j'ai acheté un petit peu par dépit. Je m'explique, j'étais à la recherche d'un syngonium Albo variegata et j'étais allé à Botanique, à la Bège, puisque j'ai vu qu'ils en avaient, je crois, et c'était à l'époque où le syngonium Albo variegata valait une couille et un rein. Donc clairement, c'était pas pour moi. Je crois que la bouture qui était pas trop variegata encore et qui faisait même pas 20-30 cm, je crois qu'elle était à 80 balles. Clairement, j'avais pas foutu 80 balles. Je n'ai jamais foutu 80 balles dans une plante. C'est pas pour un syngonium que je vais le faire. Même si je vous aime beaucoup, les enfants, faut peut-être pas me pousser mémé dans les orties. Je me suis donc rabattu un petit peu par dépit, mais au final, avec quand même pas mal de joie de ma part, sur le syngonium Trilif Wonder. Alors, c'est un syngonium qui pousse très rapidement, qui demande pas du tout d'entretien. Il pousse aussi bien à la lumière qu'un petit peu ombragé. Là, il a beaucoup de feuilles vert clair, alors je sais pas, c'est des nouvelles pousses, mais je pense qu'elles pourraient être encore plus grosses s'il était dans les meilleures conditions. Puisqu'en fait, je l'arrose quasiment jamais, et ça c'est pas bien, mais apparemment il a l'air de plutôt bien le vivre, donc ça va. Mieux vaut un manque d'arrosage qu'un surplus d'arrosage, je ne cesserai jamais de le répéter. C'est un syngonium qui, comme tu le vois, a les feuilles trilobées. C'est le seul que j'ai qui a les feuilles comme ça, mais je sais que les autres... Oh, il me fait des rejets. Oh mon bébé, c'est bien d'amour. Donc c'est un syngonium qui vit très bien sur ses réserves, d'après ce que je peux voir. Alors, il n'a pas un grand intérêt esthétique, mais vu que c'est un syngonium que je n'avais pas, il me le faut dans la collection, bien évidemment. Alors comme tu vois, il est en train un petit peu de brûler, puisqu'il a un peu de lumière directe tout l'après-midi. Pas très très conseillé. Mais sinon, à part ça, il a l'air de plutôt bien aller. Je crois que les racines, elles dépassaient, comme pas permis, mais je ne vais pas le rempoter cette année, parce que sinon, je ne sais pas où je vais le mettre. Note à moi-même, ne plus jamais soulever ce syngonium pour voir si les racines dépassent, puisqu'à chaque fois elles dépassent. Donc c'est un syngonium qui pousse relativement bien, de manière rapide. Et plus il est à la lumière, plus je pense il fera des feuilles assez grosses. Mais pour le moment c'est pas mon objectif. Voilà, j'ai pas d'objectif en fait avec lui. Mais j'avais pas vu qu'il faisait des rejets, donc je suis extrêmement content et fier de lui. Oui papa est fier de toi. Oui papa est très fier de toi. Il faudrait que je lui mette un deuxième tuteur, parce qu'en fait là du coup la branche, j'ai dû limite la plier. Attends, on voit pas. Là, j'ai dû limite plier la branche pour la faire redescendre parce qu'en fait, j'ai pas de tuteur à mettre au-dessus. Il va falloir, hein. Mais il va bien. Ça, c'est le syngonium Trilif Wonder. Suivant. Alors, c'est un syngonium qui a une forme un peu particulière, on dirait un philodendron, mais je n'ai aucun philodendron à la maison. Tu dois le savoir. Si tu es un ancien de la chaîne, si tu me suis depuis le début, tu sais que je n'avais aucun philodendron. Mais quand je l'ai vu au début, je te recontextualise le contexte. À mon travail, celui qui gère les réassorts des plantes est un passionné. Et donc du coup, il cherche des variétés un petit peu originales. Parfait. Non, en fait, ça fait chier parce que du coup, je craque très souvent. Je m'explique. Un jour, il m'a dit « Ouais, j'ai trouvé du syngonium chiapensé. Ouais, pas trop cher et tout. Très bien. » Mais moi, quand on me dit syngonium, je n'avais pas l'habitude de la taille des feuilles. Je pensais que c'était un syngonium avec des feuilles comme celle-là. Que nenni. Non, non, non. Donc, il reçoit les plantes en question. Je cours dans le rayon pour aller les voir. Il me dit, ben vas-y, elles sont là. Je regarde, j'ai dit, où est-ce qu'elles sont? Je reconnais quand même un syngonium. Je sais à quoi ça ressemble. Où sont-elles? Il me dit, ben c'est ça, pardon, ça c'est pas un philodendron? Il me dit, non, c'est le syngonium chiapensé. Donc en fait, je savais pas du tout ce que c'était. Et comme un faible, je l'ai acheté. Alors ça fait quelques mois que je l'ai, quelques mois que je devrais mieux le tutorer. Dans tous les cas, je devrais tous les tutorer. Et c'est un syngonium qui, je pensais, allait me donner plus de satisfaction que ça, mais pour le moment,
pas forcément beaucoup. Pourquoi? Parce que bah, déjà, je ne lui donne pas assez d'humidité et il n'a pas un tuteur qu'il faut. Il n'est pas au mieux de sa forme, mais il me fait une feuille. Et logiquement, un syngonium, quand il a de la bonne luminosité et un tuteur convenable, il fait des feuilles de plus en plus grosses. Sauf que là, au bout d'un moment, un tuteur, là, tu as peur. Il n'y a pas assez de lumière, donc du coup, il me fait des feuilles assez petites. Comme tu peux le voir, ça c'était la dernière feuille qu'il avait quand il était en magasin. Ça, c'est la feuille qu'il a fait quand il était chez moi. Toute petite. Et là, ben, la feuille qu'il y a là, c'est pas une grosse qui arrive. Mais c'est pas grave, il me fait des feuilles. C'est un syngonium, comme tu peux le voir, qui ne ressemble pas du tout à un syngonium. On dirait un Montmalonema à la rigueur, ou un philo, un petit peu. Eh bien non. Et j'en suis très très content. C'est un syngonium qu'on ne voit pas forcément partout. Je sais qu'il y a la variété variegata, enfin la version variegata qui existe. Je l'ai vu chez Jungle Eden et j'ai vu la gueule des feuilles. Je pourrais pas. T'as vu la taille des feuilles? Ça fait 15 fois ma tête. Non, clairement je ne pourrais pas. Faudra peut-être que je le rempose dans un pot un peu plus grand, mais pour le moment ça a l'air d'aller. J'attends de voir ce que ça donne quand il sera un petit peu plus gros, puisque là pour le moment il paye pas forcément trop de mine. Il te donne peut-être pas forcément envie de l'avoir, mais il faudrait peut-être que je m'en occupe un peu plus. Mais il faudrait que je m'en occupe un peu plus de toutes les plantes, donc dans tous les cas, il n'a pas le choix. Et pour le moment il fait des feuilles, donc c'est que ça peut passer. Mais j'aimerais bien qu'il ait des feuilles encore plus grosses. Ben, comme toutes les plantes, tu me diras en fait. Je suis pas prêt. Il met du temps à les sortir les feuilles par contre. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le bon climat, la bonne température et tout? C'est fort probable. Mais c'est mon syngonium que j'ai pincé, j'en suis très très content. Voilà pour le moment. Donc là on a fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 syngos. Suivant. Alors, je t'ai parlé du Maria Allusion qui est ici. Et j'avais trouvé deux autres syngoniums le même jour. Le Mango Allusion. Tadam! C'est un syngonium qui était aussi petit que les autres. C'est-à-dire qu'il faisait ça. Il y a 2 ans, 3 ans peut-être. Et c'est lui qui a le plus explosé l'hiver dernier. Lui par contre, il m'a pas fait des feuilles qui sont restées enroulées, ou alors très très peu, je ne les ai même pas captées. Mais par contre, il m'a fait des feuillasses, j'étais pas prêt. C'est-à-dire qu'au début, il avait des toutes petites feuilles comme ça là. Tu vois? Maintenant, il me fait des feuillasses. Attends que je te montre une bien grosse. Titre. Bon, elle est pas mal celle-là. Tu vois ça? Non mais attends. Je suis pas prêt. Par contre, il est bien feuillu, il est bien beau. Et lui, sa particularité, c'est qu'il est vert, vert pomme, on va dire, avec une nervure centrale rose. Alors lui, je le vois pas forcément trop sur les réseaux. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, il mérite, selon moi, d'être un petit peu plus connu. Puisqu'en fait, il est ultra simple. Il demande quasiment pas d'entretien. En hiver, tu le mets près de la fenêtre. Mais en fait, moi, j'ai la fenêtre qui donne sur l'ouest. Et donc, du coup, en hiver, il s'arrête pas. Et là, par exemple, tu vois, il me fait cette feuille-là. Celle-là. Il est en train de m'en faire une autre, là. Une. Deux, sans compter tous les nombreux rejets qu'il m'a fait. Tu les vois pas forcément, mais là, c'est une forêt le truc. Hein. Et d'une facilité déconcertante, et j'en suis trop trop content, et j'en suis trop fier de l'avoir. Alors mon seul petit regret, entre guillemets, c'est qu'en fait, avec le temps, va tout s'en va, Thibaut ta gueule. C'est juste qu'en fait, les feuilles, le côté rose central, en fait, il le perd un petit peu. Voilà, donc en fait, c'est juste une plante verte claire, quoi, c'est tout. Mais bon, je suis content, il est très très beau, il pousse très très bien, sans trop d'entretien, nickel, nickel quoi. Donc ça c'est le Mango Allusion. Là je crois que j'ai quasiment que des syngoniums qui m'ont été donnés, à part celui-là, le Néon Robusta, je te montre. Alors, comme tu peux le voir, le Néon Robusta est beaucoup plus frêle que les autres. Chez moi, tout simplement, il n'a pas beaucoup explosé cet hiver, et comme tu le vois, il a quand même beaucoup de feuilles par rapport à toutes les feuilles qu'il a. Il y en a beaucoup qui sont restées enroulées par rapport à cet hiver. Manque d'humidité, sûrement de lumière. Cependant, il est en train de m'en refaire. Je l'ai mis un petit peu plus au soleil direct. Foutu pour foutu, j'allais te dire. Hein. Il faut tenter. Et il me fait des feuilles bien roses, bien larges et bien plates, surtout, qui ne restent pas enroulées. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Et comme tu peux le voir, les feuilles, plus elles vieillissent, plus elles tournent vers le vert. Le vert rosé, mais vert quand même. Voilà, il faudra que je le tuteur, il faudra que je le mette un petit peu plus à la lumière. Mais je pense que des fois, je pense qu'une fois qu'il sera tuteuré, déjà, ce sera pas mal. C'est un syngonium qui, je trouve, est juste canonissime. Le rose, comme ça, je le trouve juste sublime. Et celui-là, je l'ai découvert grâce ou à cause de Insta. Je ne sais pas trop. Et je l'ai acheté à cause de ma faiblesse d'esprit. Il est plus lent à pousser chez moi. Je ne sais pas si c'est normal. Je ne sais pas si chez vous, c'est pareil. Si tu as des conseils de culture pour lui, je veux bien que tu me les fournisses. Parce que je t'avoue que lui, j'ai encore un petit peu de mal à le cerner. Peut-être qu'il est dans un pot trop gros aussi, il y a des chances. Toujours est-il qu'il vivote
il repousse un petit peu en ce moment, donc je suis extrêmement content. Et il me tarde de le voir bien rose, quoi. Voilà, ça c'est le dernier, je crois, que j'ai acheté. Pas du tout, qu'est-ce que je dis, j'en ai d'autres. Là, c'est un syngonium, une pépite. Oh là là. La bouture m'a été donnée par Digidaline, bien évidemment. Et en fait, c'est une bouture, je crois que c'était la plus grosse qu'elle m'ait donnée. Elle avait, je crois, 2 ou 3 feuilles. Et je l'ai tuturée il n'y a pas longtemps. Le Morito. Ah, une fierté. D'ailleurs, faudrait que je le retuteur. Oh, il m'a séché une feuille. Petit cucuignou, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu l'as fait feuille ? C'est un syngonium que j'ai mis du temps à tuturer parce qu'en fait, il était calé entre les autres plantes. Il poussait, mais je me suis dit au bout d'un moment, s'il se casse parce qu'il y a un petit peu trop de vent, j'aurais extrêmement les nerfs, les boules, les... bref, tout ça. Donc, j'ai préféré prendre les devants, même si j'ai mis un peu de temps, et je l'ai tuturé. Regarde-moi la taille des feuilles. Le motif, il est juste sublimissime. Je ne sais pas quoi dire, à part qu'il est magnifique. Au début, je me suis lancé dans les syngoniums. Je ne savais pas du tout qu'il pouvait y avoir ce genre de variété chez les syngos. Que veux-tu dire de plus ? Il est juste magistralement beau. Et en plus, il me sort une feuille. À chaque fois qu'il m'en sort une, il en a une autre en préparation. Donc là, tu vois pas, c'est un petit peu trop loin. Mais il y en a une autre qui se prépare. Et il a déjà atteint la taille du tuteur, quoi. Une fierté. Une grande fierté. Alors... est-ce que c'est moi qui le fais mal ou pas, je sais pas, mais quand les feuilles deviennent un peu plus âgées, le vert vraiment, ce qui est presque blanc en fait, tend un petit peu plus vers le vert clair, un petit peu plus foncé, donc du coup les taches sont un petit peu plus fondues. C'est peut-être un détail, c'est peut-être moi aussi qui ne l'entretient pas trop comme il faut, mais toujours est-il qu'il me fait des feuilles, ça me va. Je pense que bientôt, l'an prochain je pense, je le bouturerai pour avoir un pied un peu plus étoffé. Mais en attendant, il pousse vachement bien. Il pousse plutôt vite d'ailleurs. Voilà, pas trop d'explications à fournir. J'ai pas eu de problème pour le moment dessus. J'ai pas eu de feuille qui a plus jaunie que ça. Très 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 simple. Très 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 beau. Et on le trouve maintenant un petit peu plus abordable. Parce qu'à un moment, les prix, les fournisseurs ne se mouchaient pas le slip. Je peux te dire que franchement, c'était un petit peu abusé. Mais comme toutes les plantes de collection, maintenant, les prix vont commencer à décliner pour certaines. Enfin, j'espère. Parlons peu, parlons syngo. Le syngonium suivant est un syngonium que j'ai acheté. Je crois que j'en ai parlé dans la vidéo quand j'étais allé à Solignac et que j'avais craqué, que j'étais rentré au travail et que j'avais acheté 3 ou 4 syngoniums. 3 je crois, je sais plus. Donc là c'est le Pink Splash ou Pink Spot, je crois que c'est le même. Alors il est à la base un petit peu plus fourni que ça. Sauf qu'en fait il a perdu un petit peu les feuilles puisque je m'en occupais pas forcément comme il fallait. C'est un syngonium qui demande, je crois, pas mal de lumière, chose que je ne lui apporte bien évidemment pas, sinon il serait un meilleur état. Il faudrait que je le tuteur. Par contre celui de Clémentine, sublime. Elle l'a tuteuré, donc peut-être que aussi ça doit l'aider. Faudrait que je le mette un peu plus à la lumière, mais j'ai peur de le cramer, donc j'ai très très peur. Mais bon, je pense que qui ne tente rien à rien. Là, il me fait des feuilles, mais il les avorte. Elles sont toutes petites. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Mais je pense que je vais tenter de le mettre un peu plus à la lumière parce que, comme tu peux le voir, il est pas fou quoi. J'ai eu une bouture qui m'avait été donnée par Digitaline, c'est celle-ci. Tu vois. Il me perd la feuille parce que je pense qu'il manque de lumière. Et je pense que je m'en occupe pas du tout comme il faut. Alors je l'ai, j'espère le garder parce qu'il est vraiment trop trop beau quand il est en grain de forme avec de belles couleurs. Il faudrait que je sois un peu plus assidu pour lui. Ils sont tous à ma racine intermédiaire, je suis en train de capter. Donc je pense que c'est pas un problème de substrat, je pense que c'est vraiment un problème d'humidité et d'entretien de ma part. D'ailleurs lui tu vois il a un peu soif, donc va falloir que je m'y mette sérieusement. Donc ça c'est le Pink Splash. Si j'ai des erreurs dans les noms en fait, parce que je suis persuadé de moi, mais s'il faut c'est pas le vrai nom, n'hésite pas à le mettre en commentaire hein, si tu peux. Je veux bien, s'il te plaît, comme ça je m'endormirai moins con. Et tu sais qu'il y a du travail. Le syngonium suivant est un syngonium toujours fourni par Digitaline Nighton. Et une bouture m'avait été donnée aussi par Clémentine. C'est le Wendlandi. Syngonium, comme tu peux le voir, dans la nervure centrale est blanc argenté. Et j'ai vu que chez Jungle Eden, j'ai vu que celui-ci, à taille mature, en fait, il perd l'argenté. Et il a 5 lobes, je crois, sur la feuille. Donc en fait, je serais pas trop fan de la taille adulte. Mais on va voir ce que ça donne. Il pousse tout doucement, tranquillement. Il n'est pas pressé, mais il pousse tranquillement. Il manque peut-être un petit peu de lumière, mais il me fait toujours des feuilles. Donc là, j'ai 2 pieds dedans.
La dernière feuille qu'il m'a faite, c'est celle-ci, la plus grosse, là. Je pense qu'il va exploser cet hiver, en tout cas je l'espère. Peut-être qu'il va se mettre au repos, je ne sais pas du tout, on verra. Et ça, c'est le Wendlandi. On le trouve aussi maintenant assez facilement en jardinerie. Syngonium suivant, c'est un syngonium au feuillage très clair, avec des feuilles, avec des pierres roses. Et c'est le syngonium Milk Confetti. Tadam ! Alors la dernière feuille est juste énorme. Et je pensais qu'il allait faire un petit peu plus de rose, et non. Alors, je l'ai mise un peu plus à la lumière. En fait, j'ai l'impression qu'il manque tous de lumière. C'est fou. Mais j'ai peur de remettre du soleil direct dessus. Je l'ai mis un peu plus à la lumière et il a l'air d'avoir bien kiffé. Regarde-moi la taille de la dernière feuille. Gigantesque. J'aime trop. J'aime trop. Alors, il n'y a pas trop de rose. Mais je pense que plus il aura de la lumière, plus il me fera du rose. Et puis, c'est une variété qui ne fait pas, je crois, beaucoup de rose, me semble-t-il. J'ai donc, du coup, acheté ce pied mère-là. Et... Manon Digital Ableton. Je l'ai appelé Manon, son prénom en fait. Elle m'avait donné une bouture. Un œil qui a mis énormément de temps à raciner et qui maintenant, ça y est, il est parti. On peut le voir ici. Et cette feuille-là me fait une autre feuille. Donc je suis content. Donc au final, j'ai deux pieds. Lui, il est maintenu humide, tu vois, il a l'air de bien kiffer. Donc c'est un syngonium qui, pour le moment, pousse assez tranquillement. Voilà. Il est trop beau. Je suis trop content. Suivant. Le syngonium Pink Illusion. Ah, arrête d'être con, voilà. C'est un syngonium que j'ai acheté en même temps que le Pink Splash, je crois, et que le Milk Confetti. Syngonium qui avait déjà cette tige-là, mais qui n'était pas aussi longue. Et en fait, le truc, c'est que je ne m'en suis pas du tout occupé. Je l'avais un peu laissé crever de soif, un petit peu à l'ombre, etc. Donc, quelque chose de pas bien du tout. Et en fait, il a continué à me faire de la liane. Et comme tu peux le voir, les feuilles sont petites. Les entre-nœuds sont très longs, c'est parce qu'en fait ils cherchaient la lumière, tout simplement. Donc, ce que je pense faire très bientôt, c'est que je vais le bouturer. Je vais le bouturer, mettre les nœuds en sphaigne. Je vais les mettre en sphaigne à l'étouffer, je pense que ça devrait aller. Et comme ça, je pourrais étoffer le pied mère, puisqu'en fait, il me fait de belles feuilles, tu vois. Et je pense qu'il serait encore mieux si je le tutorais. La dernière feuille qu'il m'a faite, elle est là. Il y a un petit peu de rose dessus, je suis trop content. Il en fait un petit peu plus que le Milk Confetti, en tout cas chez moi. Puis ça a l'air d'aller, franchement, il a l'air d'être plutôt bien content. Et j'en suis moi-même très heureux. Donc voilà le Pink Illusion. Voilà. Lui, il faudra que je le tuteur rapidement maintenant. Suivant. Manon m'a aussi donné celui-ci. C'est le Angustatum qui manque cruellement de lumière et qui pourtant pousse quand même. Alors il est au ralenti, ça c'est normal, puisqu'il manque de lumière. Il m'a perdu une feuille il n'y a pas longtemps, mais quand je l'avais rempoté, je l'avais peut-être un petit peu trop enfoncé aussi. Ça a dû y jouer. Mais il pousse assez bien. Il me fait cette feuille-là. Alors là, elle n'est pas encore déployée, c'est pour ça qu'elle est un peu recroquevillée sur elle-même. Mais logiquement, ça devrait le faire. Hein. Il a soif. Oui. Ça, c'est le Angustatum. J'ai trop rien à dire dessus. J'attends qu'il soit un peu plus grand, mais je pense que quand il sera tuteuré, déjà, il aura un support. Ce sera mieux pour lui. Comme tous les syngos en fait. Ah, je rectifie. La bouture la plus grosse qu'elle m'avait donnée, c'est le syngonium Batik que tu vois ici. Que j'ai mis du temps à tuteurer aussi. Parce que je suis une grosse feignasse. Alors, il ressemble beaucoup au White Butterfly. Je te mets deux feuilles à côté. Les différences. Lui, le White Butterfly, quand la feuille est jeune, elle est crème comme ça. Lui, la feuille, quand elle est jeune, elle est directement vert foncé, comme ça. Tu vois. Et en fait, toutes les nervures sont blanches. Après, le blanc se dissout pour certaines feuilles, comme ici, tu vois. Il s'homogénéise avec le vert du lemme. Alors que lui, la nervure a tendance presque à disparaître. Mais bon, ce ne sont que des détails. Lui, il pousse assez bien. Il va mieux depuis que je l'ai tuteuré. Étonnant. En fait, il me fait feuille sur feuille. C'est pas compliqué. Il demande peu d'entretien. Juste, il faudrait que je l'arrose un peu plus. Putain, je suis vraiment pas du tout assidu sur l'arrosage. C'est fou. À toutes les vidéos, je dis que les plantes, elles ont soif. Ça devrait peut-être mettre la puce à l'oreille, mais pas du tout. Donc lui, il va bien depuis qu'il est tuteuré. Par contre, il pousse assez rapidement. J'étais pas prêt. Parce qu'en fait, elle m'a donné une bouture, alors ça faisait quoi? Un quart de ça, peut-être? Et je l'ai eu l'an dernier.
Et là, il m'a déjà dépassé le tuteur, quoi. Donc soit je mets un deuxième tuteur, soit j'attends. Mais je pense que je vais attendre un peu. Donc ça, c'est le bâti qu'on trouve de plus en plus en jardinerie, me semble-t-il. En tout cas, là, chez nous. Le syngonium, celui-là. Le Regina Red. Ah merde, lui aussi, il était plein d'eau. Le Regina Red, en fait, c'est un peu comme le Néon Robusta, sauf qu'en fait, le pourtour des feuilles est vert. Alors là, il est tout petit. Parce qu'en fait, il a perdu les grosses feuilles. Et en fait, là, je crois que je l'ai laissé trop tremper dans l'eau. J'espère que ça va pas le tuer. C'est le Regina Red. Bon, après, c'est pas le syngonium de mes rêves. Mais vu que c'est un syngonium que je n'ai pas, que je n'avais pas à la base, je l'ai accepté avec grand plaisir. Alors là, il me fait des feuilles. Petites, certes, mais il m'en fait. Donc, on va voir ce que ça va donner dans quelques temps. Il n'y a pas de raison qu'il meure. Mais logiquement, le Regina Red, il est assez robuste, je crois. On verra ça dans quelques mois. Le syngonium Erythrophylla. C'est quoi le prénom? Syngonium Red A. Le syngonium Red Arrow est un syngonium qui ne ressemble pas forcément trop à un syngonium. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, le dessus est vert foncé. Et le revers est rouge, comme les dégonias. Il est trop beau. Alors là, tu peux voir qu'il m'a fait une tige avec des toutes petites feuilles qui doivent faire quelques millimètres. Parce qu'en fait, il était un petit peu trop à l'ombre et du coup, il cherchait la lumière. Là aussi, tu vois, les feuilles sont plus petites que celles du milieu parce qu'en fait, tout simplement, il cherchait la lumière. Donc, je l'ai mis un peu plus au soleil direct, tant pis. Hein, et il a l'air d'apprécier. Voilà, j'aime trop et il faudrait que je le tuteur lui aussi. Et j'aime trop son feuillage. Quand elle sort, la feuille, elle est très brillante. J'adore. J'en suis trop fan. Donc ça, c'est le Red Arrow. Hop là. Et ça, c'est le Albo Variegata, le fameux Albo Variegata, qui m'a été donné par Manon, toujours, et qui me fait feuille sur feuille. Lui, je remarque qu'en fait, ça devrait me tilter depuis quelques temps déjà. Attends, la petite araignée, tu sors. Voilà. Il est un peu plus au soleil, c'est-à-dire qu'il peut se prendre une à deux heures de plein soleil dessus, mais plein pot, c'est pas un problème. Il me fait des feuilles bien variegata, comme tu le vois là. Il adore. La dernière feuille qu'il m'a faite, alors au début j'ai cru qu'elle était toute verte et je me suis dit non, je vais devoir la couper, j'ai pas envie de commencer ce cercle vicieux, de couper tout ce qui est vert pour que ça en fasse des variegations, blablabla. Au final, surprise, il m'a fait une partie verte et une partie un petit peu vert avec des variegations. Donc ça va. Vous me faites chier les avions là. Et il commence à me faire des tiges. Donc il va falloir que je le tuteur très rapidement. Et puis il me fait une feuille. Et avant même qu'elle se soit déployée, il en a une autre qui sort. Donc je pense qu'en fait c'est un syngonium qui pousse assez rapidement. Et j'en suis trop fan. Et je trouve qu'avec le cache-pot blanc, ça lui va trop bien. Il est trop beau. Il est tout petit. Mais petit deviendra grand. Un syngonium qui m'a été donné très généreusement et encore merci Plantita FR. Hope, quand même. C'est le Strawberry Ice. J'en ai parlé dans une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps, je crois que c'était le Plantactu numéro 5. Je te remettrai une photo éventuellement si tu en as besoin. Faudra que je le mette peut-être en aracé intermédiaire parce que je pense que la sphaigne au bout d'un moment, je ne sais pas si ça va lui aller. Je sais pas si je la gère bien à ce fait. Mais j'ai hâte qu'il grandisse. J'ai trop hâte. Il ressemble beaucoup à celui-là. Au Maria Allusion. Mais maintenant que je viens de le regarder, le Maria Allusion est bien plus clair. Quand les feuilles elles poussent, comme je t'ai dit, elles sont plus chocolat. Elles sont plus rouge bordeaux. Avec des taches qui, en étant adulte, sont vraiment très rose pâle. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec le Maria Allusion. Tout simplement. J'ai trop hâte, il est trop beau et apparemment il coûte les yeux de la tête, donc trop bien, je suis trop fan, il est trop beau. En plus la feuille, il avait commencé à la développer et là il continue à l'ouvrir, donc c'est que apparemment il se plaît plutôt pas trop mal. Juste vu que le temps est très changeant en ce moment, j'espère que ça va pas lui porter trop préjudice. Je croise les doigts, mais il n'y a pas de raison, le syngonium c'est quand même assez résistant, donc ça va. Il faut juste maintenir la mode humide. Mais là, vu que la sphène en général garde pas mal d'humidité, logiquement ça devrait le faire. Il est trop beau. Il est petit, donc pour le moment on voit pas trop grand chose. Mais je te tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Et je crois qu'on a fait le tour.
Je crois qu'on a fait le tour de tous les syngonios. Ça va là, mais, putain, mais les gens, mais vous travaillez pas ou quoi? Je croyais que j'en avais 14 ou 15, pas plus. Oh, je pense qu'il va falloir arrondir à 20. C'est lequel que j'ai pas? J'ai le Pixie que j'ai pas, j'ai le Panda que j'ai pas, j'ai le Three Kings. Les Three Kings, je l'ai vu en vrai. Ouais. C'est un albo variegata en gros, hein. Sauf que c'est pas du blanc, c'est vraiment du vert clair et les feuilles sont plus longues. C'est un syngonium que j'aurais, je pense, hein, très clairement. Mais pas de suite, c'est pas la priorité. J'ai plus de priorité là en ce moment de côté plante. Si, la Monstera Ubica Pérou. Qu'est-ce que tu dis? En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Il commence à faire un petit peu frais. Mes syngoniums et moi, on te remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'à présent. J'espère qu'ils t'ont plu. Si tu as des conseils à me prodiguer, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer sur Insta ou même en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que je te répondrai. Je te laisse ici. N'oublie pas de liker, de partager, de commenter, de t'abonner. Ça fait toujours plaisir si tu veux soutenir ma chaîne. Donc, je te fais de gros bisous. Non, pas du tout. Je te check. Voilà. Ne sait-on jamais avec le Covid, tout ça, ça revient apparemment dans la région. On s'en fout. Nous, on est bien avec les plantes. Mes syngonium et moi, on te check. On espère que tu vas bien, que tu as bien aimé cette vidéo. Et puis, on te dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Bon, alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.